Mélissa, on est hyper contente de vous recevoir pour parler de ce dernier documentaire que donc vous avez produit, qui s'intitule Dans la tête de Jamel. C'est un film réalisé par Jean-Thomas... Sekaldi, je ne savais plus comment ça se prononçait. Et donc, qui a suivi votre mari, Jamel Debbouze, pendant près d'un an. C'est un film très étonnant, où on découvre un aspect de la personnalité de Jamel totalement méconnu. J'imagine que ce film, vous ne l'avez pas produit comme les autres. Vous filmez votre mari. Comment est-ce qu'on garde une distance? Comment est-ce qu'on reste journaliste? Comment est-ce qu'on reste productrice quand on filme la personne avec qui on partage sa vie? En le confiant à un réalisateur de talent. Tout simplement, en donnant la caméra à quelqu'un d'autre. Il y a eu tout le libre arbitre et puis la sensibilité. Et je l'ai laissé vraiment tourner ce film une fois l'accord de Jamel passé. Vous avez donné aucune consigne ? Non, aucune. Après, c'est aussi tout le travail passionnant de productrice, de savoir à qui on confie quel film. Bien sûr. Et j'avais déjà fait d'autres films sur des hommes fragiles avec Jean-Thomas, et je savais qu'il arriverait avec beaucoup d'humilité à se glisser auprès de ses auteurs et de lui-même sans se faire remarquer, en se faisant oublier et en captant en effet des choses assez authentiques, complexes, qu'on approche rarement. Mais je crois que c'est la première fois, quand j'entends parler de Jamel Debbouze, que j'entends homme fragile. Je crois que personne n'a cette image. Oui, c'est-à-dire qu'il a cette image tellement joyeuse, d'improvisateur, de trublion, et ça fait 20 ans que les gens le connaissent sur scène et dans les médias. Ouais. Et l'homme est tellement différent. Bon, le citoyen, l'homme et l'artiste, c'est celui qui crée. Et j'assiste depuis plusieurs spectacles à ce travail d'écriture qui est fastidieux, qui est compliqué, qui est sombre aussi. Et ça me semblait très précieux de pouvoir le montrer à d'autres. D'abord pour en finir avec la puissance et des choses qu'on maîtrise quand un spectacle est terminé. Ouais. Aussi avec cette nouvelle génération qui arrive. On parlait des réseaux aujourd'hui où très vite on pense être arrivé et on a un spectacle. Parce qu'on a une vidéo qui buzz et on se dit c'est bon, je vais faire un spectacle, je vais devenir humoriste, je vais monter Absolument. Sur scène. Alors qu'en fait c'est un travail si délicat, si compliqué. Absolument. Mmh. Et après 20 ans de carrière, Jamel a commencé très jeune. Donc ça fait déjà un moment qu'il fait ce métier. Et se dire qu'on redémarre à zéro, qu'on doute, qu'on se demande si on est encore drôle, si on est encore utile, si on a encore quelque chose à dire, je trouvais vraiment intéressant d'approcher ça. Vous avez appris des choses sur lui? Alors là, je peux vous dire, Alexandra, avant que Mélissa réponde. J'ai appris une chose. J'ai appris une chose et je vais être obligée de passer l'extrait, Mélissa. Ah oui. Parce que vous avez compris, elle a confié la caméra à un réalisateur, donc elle n'était pas là pendant tout le tournage, et vous avez découvert le petit surnom qui était affublé par l'entourage de Jamel. Regardez. Ce soir, il y a ma femme qui vient voir le spectacle et à chaque fois qu'elle vient, ça me met une pression de ouf. Je joue pas pareil. Mais là, elle le découvre, surtout. Elle n'a jamais vu. C'est ma première supportrice, ma première critiqueuse, ma première applaudisseuse. Et si elle aime pas le spectacle, j'en récréerai un autre, hein, je te préviens. Non, mais elle va aimer, je suis sûr. Elle va kiffer. Ouais, dur, mais ça. Ouais, mais... Et pourquoi vous dites J'aime pas que vous dites Tu sais comment on l'appelle, nous, Mélissa, entre nous il le sait pas, Jamel, mais il va le savoir. On l'appelle la kryptonite. Tu sais, Superman, quand il y a de la kryptonite, il perd toutes ses forces. Jamel, c'est pareil. Quand il y a Mélissa, il perd toutes ses forces. C'est sa kryptonite à lui. Vous l'appelez la kryptonite, bande de bâtards. C'est vrai. C'est Karim Debbouze qui a trouvé son cheval. C'est vrai, putain. Les bâtards, c'est vrai, je te jure. Je sais pas pourquoi, pourtant, je la connais, elle me connaît. Il n'y a pas de... Mais c'est normal. Je sais pas, frère, je sais pas. C'est trop mignon. Oui, la kryptonite, vous savez, c'est la pierre qui fait perdre tous les pouvoirs à notre cher Batman, cher Superman d'ailleurs. Vous saviez ça? Non, c'est ce que j'ai appris au montage. Voilà, en salle de montage. Ouais. Mélissa Tario dit la kryptonite. Elle fait perdre tout le pouvoir parce qu'elle est de sa planète, justement, et parce qu'il devient quelqu'un de normal. Donc il n'a plus les super pouvoirs parce qu'il est de la planète Krypton. Donc d'un autre côté, ça veut dire que c'est sa vraie planète. Il retrouve sa vraie planète. Et là, il ne fait plus le kéké et tout ça. Mais vous saviez à quel point il avait peur de votre regard? Non, mais peur, je pense que tout le monde a la pression des proches, quoi, et de sa famille ou de ceux qui comptent. C'est dur, c'est ça. C'est dur, surtout quand tu... La période de création où c'est pas encore maîtrisé et où on se pose la question de la pertinence d'aborder tel sujet,
Exactement. Parce qu'il sait qu'aussi, vous, vous n'allez pas le bullshiter, vous n'allez pas dire c'est super. Et donc, il se dit, là, je vais avoir un vrai regard critique. Oui, on ne fait pas de cadeau. Bah, oui. Et à une période fragile, on a du mal peut-être à l'entendre. Et en plus, comme il respecte votre jugement, tout d'un coup, il va tout... Voilà. Puis c'est un beau message d'amour aussi, parce que c'est la preuve qu'il a envie de vous plaire par-dessus tout. Au-delà du public, c'est de se dire, ah tiens, j'ai envie qu'elle continue à me regarder avec... Oui, ou que ça a du sens. Je pense que sa conscience, moi, c'est ce qui me plaît beaucoup, c'est de se dire qu'il y a une il y a envie d'éveiller des consciences et de se dire que ce que je raconte a un peu de sens pour réunir, quoi. C'est un peu notre... Et d'ailleurs... dire qu'il veut continuer à vous impressionner dans tous les sens du terme, ce qui est une des plus belles preuves d'amour. C'est une jolie preuve, c'est vrai. Alors, justement, vous aviez dit récemment dans un magazine que votre mari était féministe, et c'est vrai qu'on le découvre aussi dans ce documentaire qu'il est extrêmement féministe, et qu'il en parle d'ailleurs dans ce spectacle, pour ceux qui l'ont vu, évidemment, en rendant entre autres hommage à sa propre maman, mais toujours en cherchant les mots. Juste regardez, écoutez. Je veux savoir choisir ma... Je veux révolutionner le six-panneux. Je veux organiser du cocktail avec mes copines. C'est pas ça. Là, elle est juste dans une revendication de je veux plus de matos, quoi. Je veux moins... C'est pas comme ça qu'on l'a positionnée jusqu'à présent, jamais. Si on veut la rendre plus touchante, plus proche de toutes celles, de toutes les darandes que j'ai fait. C'est pas tant sans bourgeoisie. Il faut rester gouaille, joyeux et dire putain, c'est pas ce qui lui arrive en ce moment, tu vois. Elle est féministe, quoi. Ouais, elle est féministe. Ouais, c'est ça, veut sa liberté, quoi. Je veux ma liberté, merde. Regarde les femmes, comment... Parisienne. Les parisiennes, comment elles marchent, comment elles sont belles. Comment... Moi aussi, je veux être une parisienne. Non, ou, tu vois, moi aussi, je veux être comme elle. Je veux être un bobo, je n'ai marre d'être une boboule. Tu vois, elle veut... Elle veut changer de vie. Ouais, elle veut changer de life, elle veut être plus libre, elle veut six-pack away. Dans ce cas-là, on dit elle veut changer de vie. Ouais, elle veut changer de vie, voilà. Alors voilà, elle veut changer de vie. Ah oui, il parle évidemment de sa mère, il parle de ses enfants, il parle de son père, mais ça veut dire quoi concrètement, un mari féministe au quotidien? C'est une chance, parce que c'est être complètement libre et vivre dans la confiance. Je crois que c'est ce qui peut... C'est ce qu'on souhaite à toutes les femmes qui nous regardent. D'avoir son espace, de pouvoir s'exprimer avec tout ce que l'on est. Oui, et puis de ne pas s'inquiéter pour l'autre, parce que la confiance est là et qu'elle est profonde et elle est acquise, quoi, dans les deux sens. Mais c'est vrai qu'un homme qui fait confiance, qui vous encourage, et voilà... Et même dans l'éducation de vos enfants, j'imagine. Oui, c'est ça, c'est à tous les étages, du coup. Et puis, on les rend aussi confiants, eux, dans... leur premier pas d'indépendance, d'autonomie. Et en parlant d'indépendance, d'ailleurs, en 2011, vous avez créé votre propre société de production. Vous avez décidé de vous démarquer, et on le sait, en choisissant des sujets que des réalisateurs... pour que les réalisateurs puissent justement sortir des sentiers battus. On dit d'ailleurs de vous que vous êtes une productrice philanthrope. Ça vous plaît? C'est une définition dans laquelle vous vous reconnaissez? Oui. On est tous... C'est toujours difficile de parler de soi. Oui. Oui. Non, et puis je crois qu'on est un peu... Enfin, on est tous ici philanthropes. Oui, mais vous avez... Alors nous, ici, sur cette émission particulièrement, parce qu'on aborde tous les sujets tabous de notre société. On est très à l'aise avec ça. Moi, ce qui me tient à cœur et qui est un point peut-être commun de chaque film, c'est l'inclusion. C'est vraiment... C'est pas l'insertion, justement. C'est pas de s'assimiler, c'est de s'inclure. C'est-à-dire, on est tous différents et on a tous à voir collectivement ensemble. Et on peut vivre les uns avec les autres. Et moi, j'aimerais que les enfants de l'ASE puissent avoir accès aux meilleures études aussi. Dans chaque film, c'est ça qu'on essaie de montrer. Moi, je me souviens, les mères en prison, les parcours de résilience, les accusés à tort, les violences conjugales, vous avez traité tous ces sujets. Ce serait quoi, c'est quoi déjà le projet, le prochain combat que vous voulez mener, ou le prochain thème qui vous tient à cœur? Ouais, je vous remercie de me poser la question, parce que je suis habitée par un sujet qui, je crois, est le fléau qui doit tous nous concerner aujourd'hui, qui est celui des violences intrafamiliales. Qui est celui des violences faites aux enfants. J'en dis deux mots parce que c'est un film que j'initie au long cours auprès d'un juge des enfants, mais aussi parce que ce sont des violences dont on ne parle pas, parce qu'elles nous effraient et qu'on a du mal, en France, je parle dans notre présentation familiale, à l'accepter, elle est insupportable. Et comme les enfants ne parlent pas, c'est vraiment un type de violence. La police, les enseignants, les parents, les voisins, nous-mêmes, les médias, on a du mal vraiment à le traiter. Et les effets silencieusement dévastateurs sur les adultes, ceux qui ont subi la violence ou qui en ont été témoins.
Et tous ces enfants qui sont juste témoins des violences conjugales. Bien sûr. Mmh. Ce sont des victimes dont on parle très peu et qui, derrière, auront des traumatismes qui handicaperont leur vie. Et ça, c'est un film que j'initie auprès d'un juge qui fait un travail. La violence n'est pas une fatalité, qui parle à la fois aux enfants, qui met des mots. Et on doit tous parler aux enfants de ce qu'est la violence. Sinon, un enfant ne saura jamais la dire, la répéter. Et la verbaliser. Comment faites-vous quand vous êtes productrice et vous traitez tous ces sujets qui sont difficiles et que vous êtes en immersion dans des quotidiens difficiles et des vies difficiles, il y a un moment donné, on arrive à garder l'espoir, le moral, la joie. C'est Jamel qui permet. Moi, depuis que j'ai arrêté l'antenne, je vis pour ces films-là. Là, Jamel, c'était un pas de côté et c'est formidable que ce film existe. Mais le cœur de mon métier, c'est ces films et celui qu'on initie dont je vous parle, parce que je me dis que même pour quelques-uns, ou si d'autres juges vont peut-être se dire que le travail du juge Durand à Bobigny est un travail de pédagogie intéressant qui va enfin faire éclore une parole, il y a un sentiment d'utilité. Il y a le gouvernement et aujourd'hui un secrétaire d'État à la protection de l'enfance engagée qui va aussi observer ça et qui est assez conscient de ses travaux de terrain. Et donc je me sens un peu utile, quoi. Alors, évidemment, on le suivra de près. Hein, j'aimerais bien présenter, vous en parler. Parce que ça, nous, ici, c'est des sujets, évidemment, qui nous intéressent et dont on parle le plus possible.